Hey, yo à tous et à tous, c'est Icar et on est en compagnie d'Akatosh, salut. Wesh. T'as mis un peu de temps à répondre, mais on t'en veut pas. Toujours plus de On est mieux. avec Bokuni aussi. Coucou. Coucou. Donc Bokuni de la chaîne Game Echo, et c'est celui qui va faire la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire avant, enfin après, pendant ou genre go. Ah, Le mec le mec m'a il est perdu. Mettez vos avis avant, après, ou pendant, ou quand vous voulez, ou demain, ou après-demain. Avant une tasse de café, après une tasse de café, pendant tu touilles, n'importe, hein, quand tu veux. Hein. Même pendant que tu dors, hein, même pendant que tu fais l'amour à ta femme, je sais pas, tu te réveilles, tu dis oh, je vais mettre un commentaire. Tu imagines à minuit du. Ah ouais, minuit, 1h du matin. T'es en train de vraiment violenter ta femme. Et là tu te dis oh putain le commentaire. Là tu pousses ta femme à côté, tu la pousses du lit, genre elle dégage. Et là tu mets le commentaire sur le bouclier, tu vois. La violence. Elle a rien demandé ah. d'un coup. J'avoue que c'est un peu violent. Bokuni. Tu sais quoi? Ni fi. Je t'aime. Oui. Je t'aime, je te fais l'amour tous les jours. Ce genre de bah, si tu veux, y a un homme qui rigole qui ah, veut il a bien. Dit si tu veux. Il a dit si tu ah, veux. Ah, ouais, d'accord. J'ai noté si tu veux. Moi, j'ai noté Asie, ça peut m'intéresser. Hein, voilà. Asie, j'ai jamais testé, allez. Mais l'anal, ça peut être bien. Je suis pas de ce bord-là. Désolé. Ah. Mais ma Annie est de ce bord. Ah, d'accord. Oula. Il y a Pandora aussi qui est dispo si tu veux. Et tu sais quoi? Et toi t'es pas de ce bord là parce que toi t'es un marin. Parce que bâbord trib. Ouais. Ta gueule! Si tu veux je tape sur gueule Miel Pops 2000 je sais pas combien. Le mec qui recherche alors Miel Pops. Miel Pops 2000 c'est une marque de. C'est un iPhone le bordel. Miel Pops 2000. D'accord, je viens de capter. Miel Pops 2000. Mais comme mes cartes le sait, faut pas me dire ça. Je vais te l'inventer. Ah oui! Miel Pops 2000. Miel Pops 2000. Rigole pas, toi! Tu vas le voir. Tu vois, il va faire comme votre caprod. Enfin, votre caprod. Tu vois, lui, il va pas créer sa marque de vêtements, il va créer sa marque de mobile. Oh, vas-y. Maintenant que j'ai un monteur, clin d'œil, clin d'œil, on peut faire tout ce qu'est-ce qu'on veut. Ça veut dire que là, si. C'est une blague en plus. Là, si tu veux un photomontage, et eh ben il te le fait directement. Donc vas-y, si tu veux. Vas-y. J'ai l'impression qu'il fait comme McFly et Carlito, tu sais, dans leur vidéo là qu'ils ont sorti avec Gad Elmaleh. Monteur, rajoute-moi une musique triste. Effectivement, car Dimitri pas tu. Ouais, je suis même pas français. Dimitri, tu passes. Dimitri, tu passes cette vidéo. Mais de toute façon, là, là, c'est totalement aléatoire. Mais monteur, si tu m'écoutes, je voudrais une image de dromadaire. Voilà. Vas-y, explique-nous la strat. Alors, la stratégie, mes enfants, c'est très simple. Dès le premier tour, il va poser deux bombes. Alors, imaginons que Remington Smith est actuellement une bombe. Il va falloir tourner autour de lui pour activer la bombe. Et du coup, une fois que vous activez la bombe, elle va exploser, vous infligeant un malus. Ou alors, ouais, enfin, globalement un malus. Soit vous allez prendre 3000 de dégâts dans la gueule, soit vous allez prendre des résistances en moins, soit ça va être des résistances critiques, soit ça va être à peu près, voire même enlever des points de Wakfu. Ok, ça bat les couilles. C'est pas très très important, soit il faut savoir qu'il faut rush, enlever les bombes. Une fois que les bombes sont enlevées, tu peux taper. Voilà. Tu sais que t'es un enfoiré d'avoir lancé le combat, on est même pas full. Ouais, je viens de voir. Je me suis dit, mais en fait, j'ai fait quoi là? En fait, j'ai pas qu'à te fouter là. Oh le quoi? J'imagine le boss il se barre, on peut plus le taper. Non! Allez, ciao! Non! Non! Pourquoi? Comme par hasard, je dis ça, il le fait à cet enfoiré. Putain. Pourquoi es-tu venu me chercher? J'espère que je ne meurs pas. Oui. Ben... Espérons que je ne meurs pas. Bam, 12 000 dans la gueule. Ok. 14 000. Et encore, t'as mis pas. Hein. Attention. Oh putain, karma. Ah bah écart. Bah t'es tout seul. Vas-y, moi je m'en fous. Je solote le boss. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Vas-y. Rez peut-être Jean-Paul. Ah l'enculé.
jante Paul, parce qu'il fait du tuning. Au pire des cas, les gens, si on meurt, Bokuni, tu mets un montage de nous avec un faux drop, tu sais, t'imagines une barre de drop fausse. Et tu fais you win, tu vois. So you don't care about the money, well yes it's true, and I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less.